Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve là, on est le jeudi soir. Je suis rentrée donc à Dijon puisque pendant ma semaine de vacances, j'étais dans le sud vers ma cousine. J'ai pas réellement filmé, à part vous avoir filmé des petits moments avec ses chats. Ouais, j'ai pas filmé autre chose parce que j'avais pas réellement envie de filmer comme ça. Pourtant, on a fait plein de choses. On a fait des jeux de société. On a fait des petites soirées, genre de choses plutôt sympathiques. On a regardé aussi enfin, en tout cas, la première saison et un peu le début de la saison des Sirènes de Mako, qui est un peu une suite de H2O, qui était une série qu'on regardait quand on était plus jeune. Bon, après, c'était pas exceptionnel comme série. Voilà, on n'a même pas continué. On a regardé que quelques épisodes de la saison 2 et en fait, bon, voilà, c'était pas génial, génial. J'ai pas mal travaillé aussi. C'était des vacances plutôt sympathiques, même si j'ai continué de travailler. Sachant que en fait, les matins, vu qu'elle se levait tard, je pouvais en fait un peu travailler avant. Concernant donc la prophétie de Glenn Doerr de Maggie Stiefvater, j'ai un peu continué, j'en suis au chapitre 28. J'aime bien. J'aime beaucoup parce que il y a un peu cet esprit un peu celtique avec des lignes, voilà, c'est des lignes de laisse marquées, mais c'est un peu des lignes, pas de réseau, mais d'énergie. Et du coup, il se passe des trucs un peu, enfin bref, j'aime bien. Voilà, pour le moment, j'aime bien. Donc, c'est plutôt sympathique comme lecture, même si, bon, j'ai pas non plus beaucoup avancé pendant mes vacances, mais j'en suis à la page 215 sur 239. J'en suis à plus de la moitié, donc c'est parfait. Là, dans le train, j'ai regardé Love Simon, donc qui est l'adaptation en film de Victor. Moi, Victor Homo Sapiens, je crois que c'est ça. Et c'était super sympa comme film. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Et ça me donne encore plus envie de lire le livre. Donc peut-être en VO, je le lirai. Parce qu'il a l'air vraiment bien. Et je sais qu'il y a Love Victor, qui est la série qui suit Love Simon. Donc, voilà. J'ai hâte de voir un peu tout ça. Ouais, c'était un bon film que j'ai aimé regarder là pendant le trajet en train, là au retour. Voilà, pendant que je mangeais, pendant que voilà, parce que j'avais pas énormément d'internet pendant le trajet. Et du coup, voilà, c'était plutôt cool, plutôt sympathique. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre entre-temps? J'ai pas l'impression d'avoir regardé autre chose. Je n'ai pas regardé l'épisode 2 de Lock and Key. Mais je le ferai sûrement demain. Donc je vous redirai ça demain. Parce que du coup, vu que le vlog est pas très long, je me dis que demain je vais encore filmer. Voilà. Donc, vu que demain je n'ai rien, je pourrai filmer. Donc voilà concernant cette petite semaine qui était fort sympathique. J'étais trop contente de revoir ma cousine. Voilà. Et on se revoit en plus dans un mois. Je suis revenue avec des bougies parce qu'elle fait des bougies et que voilà, ça sent, voilà, c'est trop trop bien. Je vais vous laisser, je sais pas ce que je vais faire. Moi, je vais manger ma soupe. C'est une soupe aux champignons et voilà, je fais un peu ma mixture entre la poudre de soupe, de l'eau, de la farine pour épaissir un peu tout ça. Voilà, je vais faire un peu ma mixture. Je vais manger ça. Je vais lire. Faut vraiment que je travaille aussi. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais bon, voilà, je vais vous laisser et je vous reprendrai demain. On se retrouve donc là, on est vendredi. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai un peu travaillé. J'ai pris du temps, même si je me suis levée vachement tôt. J'étais réveillée à 6h30, un truc comme ça, et j'en avais marre, du coup je me suis levée à 7h.
Alors que pour une fois, j'ai mis le réveil à 8h, mais apparemment, mon cerveau a dit que non. Il fallait que je me lève. Donc, voilà, par ça. Je reviens vers vous parce que j'ai reçu des livres. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog précédent, je me suis abonnée au Maître du Fantastique. Donc, c'est une collection qu'on trouve chez le marchand de journaux, comme les romans éternels. Donc, c'est plutôt des beaux livres. Du coup, j'ai reçu donc Dracula de Bram Stoker, qui est comme ceci. Voilà. Alors, Dracula, je l'ai déjà lu. Du coup, bah voilà. Enfin, j'avais beaucoup aimé. Il y a au moins 10 ans que je l'ai lu. Et du coup, bah voilà, je l'ai. Et d'ailleurs, je trouve que cette édition est magnifique, vraiment. Surtout le dos, genre avec le château et tout, c'est super mignon. Donc, il y avait également dans le collier, donc La Guerre des Mondes de H.G. Wells, qui est comme ceci. Tuc. Voilà. Comme ceci. Celui-là, je ne l'ai jamais lu, mais je sais que j'avais vu le premier film qui avait été fait dessus, où justement il y a des bestioles, des extraterrestres qui viennent et qui envahissent la Terre. J'avais beaucoup aimé le film et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait dedans donc ce roman-là, bah, je me suis dit, bah oui, je vais le prendre parce que j'avais envie de découvrir ce roman. Donc voilà. Sachant qu'il est assez court, il fait dans les 100. Ouais, dans les 250 pages, donc ça va, il est plutôt court. Sinon, j'ai oublié également de vous dire, mais en fait, je participe au NaNoWriMo, donc cette année. Ça fait là la 20e édition que je fais. Je sais plus. Je vous mettrai depuis quand je le fais, parce que là, j'arrive pas à compter. Donc, pour ceux qui connaissent pas le NaNoWriMo, donc c'est un espèce de concours d'écriture qui se passe tout le mois de novembre, qui est mondial. En fait, on s'inscrit sur le site du Nano, et le but, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois. C'est énorme, en fait, un roman. Donc voilà, pendant le mois de novembre. Après, il y a durant l'année, en avril et juillet, je crois que c'est avril et juillet, il y a les Camp Nano où là, en fait, c'est nous-mêmes qui définissons le nombre de mots qu'on veut faire en un mois. Donc c'est beaucoup plus libre. Mais vraiment, le NaNoWriMo, donc qui se déroule en novembre, c'est vraiment un truc de fou. Il y a énormément de personnes qui y participent et c'est toujours quelque chose de super convivial. Je suis sur le Discord donc de la France et c'est toujours un plaisir d'y être. C'est vraiment retour à la maison à chaque fois pour novembre. C'est vraiment le retour à la maison. On retrouve la famille. Je travaille sur un projet donc d'écriture de roman. Un roman, alors certains diront que c'est la romance, mais bon, ceux qui me connaissent savent que la romance c'est moi. Voilà. Alors, ça peut s'apparenter à la romance, mais c'est pas réellement de la romance. J'ai pas envie de prendre ce chemin-là, donc on peut penser que, mais non, pas du tout. Donc voilà, je ne sais pas si je publierai ce que j'ai fait. Après, vous pouvez déjà commencer à lire ce que j'ai fait. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mon compte Wattpad et mon compte, je sais plus l'autre. Donc voilà. Parce que j'avais commencé une autre histoire, mais sur ce coup-là, c'est une autre histoire que je fais parce que j'ai un but derrière. Et voilà, si je fais cette histoire-là, c'est parce que j'ai envie de vite la terminer. Donc voilà. Concernant les petites nouveautés dont je n'avais pas parlé, et en fait, pour le moment, je n'ai toujours pas commencé de nano parce que, bon, vu que j'étais en vacances, j'avais pas la tête à faire le NaNoWriMo, sachant que j'étais là chez moi et tout ça, donc j'étais pas dans un mood de NaNoWriMo. Mais là, vu que je suis de retour chez moi, certes il y aura les cours, certes j'aurai énormément de choses, puisqu'on prépare également un spectacle avec la troupe universitaire dans laquelle je suis. Mais je vais prendre le temps d'écrire au moins un petit peu tous les jours. Sachant que j'ai un peu mon histoire en tête,
finalisé. Il y a juste, en fait, juste tout ce qui est transition de scène majoritaire, où là c'est un peu plus compliqué, comme toujours. Mais voilà, là je sais qu'il y a Nin qui fait des lives Twitch pour écrire, donc en fait je vais en rejoindre un. Et voilà, et du coup ce sera fort sympathique, tout simplement, de travailler voilà, en tant que les autres. Ou alors le Discord France aura une World War, et dans ces cas-là, je rejoindrai la World War, et ce sera bataille de mots, voilà. Voilà, voilà, du coup je vous laisse. C'est la fin de la semaine. Voilà, j'ai pratiquement pas filmé parce que ça a été assez une semaine assez mouvementée. J'ai fait beaucoup de choses, donc du coup j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai pas eu le temps de lire énormément. Donc voilà, ça aurait été un vlog assez court cette semaine. J'espère qu'il aurait été quand même assez sympa. Je sais pas trop ce à quoi il va rendre, mais bon, ce sera un vlog un peu différent. Là du coup je viens de rentrer de la résidence qu'on a fait avec donc la troupe de danse dans laquelle je suis, une résidence pour le nouveau spectacle qui sera en décembre. Donc si vous êtes à Dijon le week-end du 4-5 décembre, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous mettrai les infos en barre d'infos du coup. Enfin, tout ce qu'il faut. Et voilà, donc ça a été plutôt sympa, assez hard, parce que du coup on a fait vraiment tout le spectacle, on a fait des journées assez longues, donc ouais, c'est plutôt crevant, mais on a fait du bon boulot. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir le résultat, eh bien ce sera le 4-5 décembre. Voilà. C'est aussi également le moment où je vous dis que j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Et je vous dis du coup à dans un prochain vlog. Prenez soin de vous. Bye!